Bienvenue sur Régata, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le point sur la Barcelona World Race, dont le rythme s'accélère dans les 50e hurlants, le stand-by prolongé pour Thomas Coville dans sa tentative de record autour du monde en solo, mais tout de suite, direction Brest pour le départ tonitruant de Banque Populaire 5 dans le trophée Jules Verne. Après un long stand-by de près de 3 mois, la fenêtre météo est bonne, la décision est prise. Banque Populaire prendra le départ pour sa tentative de record autour du monde en équipage. Samedi 22 janvier 2011, juste avant le départ, en ce matin glacial sur le ponton à Brest, Pascal Bidégory, précédent des coudres, n'est pas vraiment loquace. Oui, je suis prêt. Je pense qu'on est tous prêts depuis bien longtemps. Voilà, maintenant il faut vivre tout ça et puis on va vous le raconter. J'ai pas grand chose d'extraordinaire à vous dire ce matin, quoi. La ligne de départ entre Ouessant et Cap-Lizard est franchie à midi. Ça y est, enfin, les chevaux sont lâchés. Les 14 hommes d'équipage, plus à l'aise en mer qu'en conférence de presse, retrouvent leur élément et le skipper, son sourire. Donc c'est parti, 26 nœuds, ça avance pas mal. Et puis on va maintenant aller crescendo dans la pression, donc il va falloir bien gérer les manœuvres cette nuit. Parce qu'on va quand même avoir du vent, à mon avis, jusqu'à, je pense, 30-35 nœuds stabilisés, quoi. Donc il faudra faire attention à tout ça. Effectivement, la première nuit en mer a été rude et les conditions musclées, mise en jambes franche et directe, surtout quand il reste 22 000 milles à parcourir autour du globe et 3 caps à franchir. 35 knots off boat speed. Heading for the equator. And 28 knots of wind. But it was a very rough night last night. Big waves. And I think our top speed, maybe it was you, Kevin. 45 knots. Au matin du troisième jour, le maxi trimaran maintient sa vitesse et profite d'une avance de 245 000 sur le temps de référence de Groupama. Actuellement, l'équipage navigue à une vitesse de 28-30 nœuds au large de la Mauritanie et devrait croiser les îles du Cap-Vert la nuit prochaine. Pour devenir le nouveau détenteur du record, Pascal Bidégory et ses hommes devront être de retour à Brest au plus tard le 11 mars 2011 à 19h. On reste à Brest à la rencontre de Thomas Coville qui nous explique les raisons de l'annulation de son départ. Thomas Coville est lui aussi en attente dans le port breton pour partir sur une tentative de record du monde en solitaire. En alerte en fin de semaine dernière pour un départ imminent, le skipper et son équipe à terre ont finalement préféré remettre le départ pour attendre des conditions météo plus propices. Explication du skipper du maxi trimaran Sodebo. L'ouverture qu'on avait pour partir de Brest se dégrade et qu'effectivement, dans la réalisation qu'il faut en faire en solitaire, c'est pas acceptable aujourd'hui dans les temps qu'on s'est fixé pour arriver à l'équateur. Et c'est pas tellement le temps à l'équateur qui nous a fait aujourd'hui décider de ne pas partir. C'est que la réalisation de Brest à l'équateur aujourd'hui est très complexe en solitaire et très complexe en termes de météo, en transition. Et il y en a trois successives sur lesquelles il ne faut pas se rater. Non, je ne suis pas déçu parce que je sais ce qui m'attend si je pars ce matin. Donc j'ai aucune déception à avoir de savoir que de me retrouver dans 50 nœuds au large des Canaries avec une dépression orageuse qu'on cible pas très bien et qu'on cerne pas très bien. Puis dessous, puisque moi j'arriverai pas à aller assez vite, au canalisé. Et donc jusqu'à l'équateur, une zone sans vent. Avec au final un contrat après très intéressant parce que je dépasse les 8 jours. On peut aller jusqu'à 8 jours 20 heures. Pour le coup, ça n'a pas tellement d'intérêt ni de sens de partir ce matin. Mardi, mercredi, c'est effectivement, ça redonne une dynamique qui pourrait être meilleure. Encore une fois, c'est une fenêtre qui n'est pas un schéma idéal puisque c'est une dépression orageuse. Donc les modèles numériques ne sont pas très fiables et pas très bons sur des modèles orageux. Et c'est ça qui est très frustrant pour nous, même en tant que routeur ou dans les routages,
c'est qu'on se base pour travailler sur des sources qui sont au départ pas très fiables et qu'on sait pas très fiables. Donc on a l'impression d'être finalement dans la même position qu'un économiste aujourd'hui pour avoir une vision du monde dans 2015. Quoi. Le point sur la Barcelona World Race dont le rythme s'accélère dans les 50e hurlant. Flashé à 21 nœuds de moyenne sur le périph' extérieur de l'Atlantique Sud, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron viennent de battre le record de distance parcourue en 24 heures avec 516 000. De nouveau en tête de la course, Virbac Paprec 3 glisse au portant à une quinzaine de nœuds et l'ambiance à bord est très bonne. Donc ça va, ça glisse bien. Mais c'est pas mal, comme ça on a le... Ah merde, attends, le son était parti. Ça montre que on arrive à bien se débrouiller, que ce beau navire a du potentiel. Les deux skippers savourent la situation et Loïc Perron, passé maître de la réalisation, nous donne même un cours de vidéo, n'hésitant pas à maltraiter son assistant cadreur. Attention, Jean-Pierre s'aventure sur le pont, à un moment périlleux. Attention. Jean-Pierre n'arrive toujours pas à caler l'horizon, je lui ai montré pourtant, hein, mais ça va venir, mais voilà, il aime bien être bien calé, parallèle au mât, mais l'horizon il n'y arrive pas. C'était très joli, à moi, enfin, de redescendre en faisant bien attention à la caméra. Voilà, je vais le remettre. Magnifique, Jean-Pierre, c'était très beau. Là, je dois avouer que c'était un grand moment de... Un grand moment de vidéo. Au point course du jour, on retrouve Virbac Paprec 3 toujours en tête, talonné par Foncia à 28 000 derrière. Les deux voiliers français devraient franchir la première porte des glaces dans quelques heures. Mais derrière, le rythme s'est franchement accéléré la nuit dernière. Toute la flotte est désormais poussée à grande vitesse par l'énorme dépression qui file sur les 50e hurlant. On retrouve à une journée derrière les leaders, Maffré en troisième position, suivi par Estrella Damm et Groupe Bell. Tu sais, les petites poupées bretonnes qui sont suspendues au rétroviseur, ça fait exactement, on a l'air aussi bête que ça. À bouger la tête en même temps, tu sais. Moi, je... Quand on freine, rouge. Bon, allez, salut les mecs, à plus, on a du boulot. Au revoir, merci. Allez, à tout bientôt. Au revoir, je coupe la transmission. À vous, Cognac, j'ai...